c'est la position que vous devez adopter dès que vous rentrez en scène, d'accord? Cette ouverture et ses yeux. Faites voir là, ici, faites voir ça. Donc on a, si on fait le langage muet créa, langage des signes, et je rajoute un truc. Ok. Tous ces jeux de contact, de création, d'écoute entre eux, de confiance, de communication, tout ça qui est plutôt du domaine du théâtre d'habitude où on fait ce genre de choses pour faire une troupe, moi je l'ai mis au service d'un cœur. Enlevez votre peau d'enfant actuelle. Enlevez-la. Non, vous la reprenez ce soir. Hein. Enfilez votre peau d'artiste de Sherlock Holmes. Donc vous, par exemple, je dis n'importe quoi, mais Eugénie, tu as 50 ans dans le rôle. Oui. T'avances, tu restes. D'accord. Pendant quelque temps, tu t'approches. Tu fais un contact. Tu viens raconter un truc horrible. Vous venez d'entendre « Hé, quatrième meurtre, douzième meurtre, trentième !» Et là, la panique de la foule, c'est l'horreur. Donc toi, tu es la concierge du 22, toi, tu es son locataire du premier, toi, tu es marchand de pain. Baker Street. T'es content, hein? Du pain tout chaud. Un, deux, trois. Que s'est-il passé et qui est la victime? Ne me raconte rien. Tu sais très bien, c'est vachement bien en plus. Mais raconte-moi, fais-moi un personnage, encore. En tant que metteur en scène, t'as envie quand même que le résultat de ton travail, il ait la même qualité, en tous les cas, il s'approche de la qualité qui est obtenue au niveau du chant, alors qu'en vérité, tu vas intervenir beaucoup moins longtemps, puisque la discipline principale au CRES, c'est quand même avant tout le chant. Donner le sentiment que les enfants se débrouillent aussi bien en jeu théâtral et en chorégraphie qu'en chant, c'est toujours un peu mon inquiétude, quoi, parce que si on vient après te dire « ils chantent bien », alors on ne comprend pas. Tu ne veux toujours pas me dire leur nom? Ça changerait quoi? Et puis, je suis pas venue pour balancer. Je suis venue pour parler de Kewenny. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Rien. Mais tu m'avais parlé d'elle comme d'un personnage central de l'histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on donne plutôt l'image d'une bécasse. Dès qu'elle ouvre la bouche, c'est pour dire un truc sans intérêt. Ah mais pas du tout! Il y a toujours ce travail de chauffe, finalement, de chauffe corporelle avant le début d'une répétition, dans lequel Didier aborde le jeu théâtral. Même s'ils ne font pas du théâtre toute l'année, quand ils attaquent un spectacle, je pense que oui, par rapport à d'autres chœurs, au créa, ils sont mieux préparés. Hein. Et je trouve que quand on a, et je redis, même si ce n'est pas pour l'intention de mettre en scène ou chorégraphier un chœur statique qui fait ce genre d'exercice, ils s'écoutent mieux, ils chantent mieux, et il se passe un climat musical qui est bénéfique au résultat artistique. Tout est terminé, je te jure, Josiane. On ira pas en vacances dans le communicat. J'ai pas le droit. 3 et 2. Allez, jouez-le, c'est bien. Allez, voilà. Voilà que tout est terminé. On va s'écraser. Et ben alors, la vie est restée à nous. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Regarde-moi. Nous voilà sans boulot. Oh, il y a un rocher. C'est triste. Des gros louches. Bien triste. Dans les chœurs d'enfants et tout ça, c'est du répertoire, je dirais plutôt, plutôt classique, ou plutôt... qui implique pas d'office une dramaturgie. Or, moi, depuis 30 ans, ce que je fais, c'est des créations impliquant où je raconte des histoires. Un monde que j'ai mis dans la glacière hier soir. C'est moi qui l'ai jeté à la poubelle. Détention, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous poser quelques questions pour l'école de police? S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que ces traces de terre? Et là, sur le rebord de la fenêtre, l'empreinte d'une botte. L'avantage du créa, c'est que c'est des enfants qui sont vraiment préparés, qui ont des cours de danse, qui ont des cours de théâtre, qui ont, pour ceux qui sont là depuis quelques années, une expérience de la scène. Et du coup, on va beaucoup plus loin avec eux qu'avec des enfants de maîtrise qui sont simplement habitués à chanter en concert. C'est moi qui ai trouvé, il sera bien obligé, enfin de retrouver. C'est chiant, mais les gens, ils vont nous publier. Oh là là, on y va maintenant, mettez du sens. Comédien,
1, 2, 3. Si les yeux sont morts, il vaut mieux mettre un plat de sardines sur le... Tu sais. Les yeux, raconte rien, c'est... Depuis, même tu peux penser, depuis tellement d'années, c'est passé par fort, hein. C'est joué. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a un texte, il y a un argument, il y a des personnages, il y a une relation. S'il y a une relation, il y a forcément une intention. Même si vous ne dansez pas, même si vous ne jouez pas, quand vous chantez, vous interprétez quelque chose, donc il faut du sens dans ce que vous dites. Ne dites pas, que s'est-il passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment, qu'est-ce que je dis ? Ok ? On essaye. Tout piano, tout léger, tout articulé. En cherchant Willet et pas la jolie chorale. Where is Willet? 1, 2, lâchez. Alors jouez-le. Play, flex, flex, flex. Il y en a qui cherchent par là, d'autres qui se redressent, d'autres qui se baissent, je sais pas combien de trucs. 1, 2, 3, et. Sans arrêt en train de travailler cette hauteur et cette la direction de l'objectif, de l'intention, de pourquoi je le fais, où je veux en venir. Voilà. T'es archi ancré dans le sol, espace un peu. Tout le monde ça. T'as vu comme c'est utile tes genoux. Encore une fois, et fou. Ça vous aide dans le sol, chaque fois. Ah oui, et vous allez voir ça comme ça va vous aider vocalement. Encore une fois, un que et. Quel est le signe qui dessine en vous chaque fois vous savoir. Oh Georges, super. C'est une conduite de pensée. Une pensée, ça se conduit comme un son, comme un mouvement. Parce que même si on chante au clair de la lune, c'est ce que dit Anne-Marie, c'est un texte. On peut trouver, on peut trouver à raconter quelque chose. Avec une mélodie très simple. Que s'est-il passé et qui est la victime ? Qui est l'assassin ? Que s'est-il passé et qui est ? Que s'est-il passé et qui est ? Qui est la victime ? Pensez à ce que vous dites. Tu vas t'avancer et tu vas me faire un gros coq mort. Un macabé de plus, t'es content. C'est bon pour le business. Pour le business. Toi, oh mon pote, qu'il continue ce brave tueur à nous remplir les caisses. Ils n'ont rien. Ce qu'on te dira. On va trouver une piste. On va monter la garde. Mais voilà, on va monter la garde. De dos. Chut. Hop, au revoir. Quand je claque les doigts, vous retournez, vous êtes un personnage. Je garde l'humeur. Ne regarde pas moi. C'est public. Bien. Personnage, pas moi. Et. Que s'est-il passé et qui est la victime? Qui est l'assassin? Quel est son nouveau crime? Quel est le signe qu'il dessine en rouge à chaque fois? Vous allez tout savoir! Et l'idée, c'est comment raconter quelque chose avec la voix. Et on est plus dans un espèce plus statique de cœur que plus dans un espace de scène et de travail autour de chansons. Ça peut être des comédies musicales, ça peut être de l'opéra, ça peut être, bref, tout ce qui touche la voix en scène. Je veux les je. Ou vous, nous, pou, prout, cul, ce que tu veux. Mais je veux une attaque. 3 et 1, 2. Je le savais, je le savais, je le savais, oui, on savait. Non. Il n'y a pas d'intention. On y retourne. On y retourne. Un troisième meurtre à Bayswater. Un troisième meurtre. Oh ben ça, c'est super. Ça, c'est super. Il faut vraiment que ça pète, quoi. On l'a tellement fait que maintenant ça devient normal pour vous. Un troisième meurtre. Un troisième meurtre. Mais c'est flippant quoi. Ah, fois c'est difficile, c'est ça que tu dis. Vas-y, fois c'est difficile. C'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que avant même qu'il parle, vous êtes déjà prêt à finir sa phrase quoi. Vous buvez ses paroles. On essaie ça. Vous chantez le mot vocal, vous dites ce qu'il chante dans votre tête. Pour l'enchaînement, parce que tout à l'heure c'était pas attaqué du tout. Et tous vos corps et les bouches sont vraiment ouverts, quoi. C'est vraiment.
Parfois, c'est difficile. Ouais. Sauf que ça veut dire. Yes, oui. On reparle là-dessus. Parfois, c'est difficile de suivre ses pensées, c'est ça. C'est ça. Parfois, c'est pas facile car il est tellement doué, n'est-ce pas. Voilà. Ce n'est pas évident. T'es toujours à la traîne. Mais que c'est captivant quand Sherlock Holmes dégaine son cerveau magnifique.